C'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo voilà, sur cette Dolly pour semoir en engrais. Après, normalement, ça marche avec tous les semoirs, hein, il faudra essayer. Moi, je vous ai pris juste le premier de base. Donc voilà la Dolly, etc. Là, j'ai repris un deuxième modèle avec une échelle. Donc voilà, il vous faudra un petit chargeur ou charger à la main si vous êtes sur PC pour voilà, le mettre dessus. Parce que si vous n'avez pas la super force, vous n'allez pas y arriver. Donc voilà, vous prenez le manipulateur de Big Bag. Voilà, un télescope, un chargeur ou n'importe. Et voilà, vous mettez dessus. Donc ça se trouvera ici. Vous allez dans les dolly. Donc voilà, vous faites R3 pour avoir la combinaison. Donc voilà, hein, ça c'est le semoir à engrais de base. Et après, bah, ça marche avec les autres, il n'y a aucun souci, hein, normalement. Donc voilà, et la Dolly, bah, pareil, hein, vous avez plusieurs choix de pneus, donc BKT, Michelin, Trelleborg, Wallerstein, Mitas. Voilà, après vous avez des roues plus ou moins larges. Vous pouvez enlever l'extension. Voilà, vous pouvez également alors, rajouter des lumières à LED. Voilà. Ensuite, vous avez différents points d'attache. Voilà, vous avez 4, 2 ou 4, 3. Voilà, vous voyez, ça se resserre ou ça se desserre un petit peu selon le smore que vous avez. Ensuite, voilà, vous avez le ball coupling plus prise de force. Voilà, donc si vous avez un smore qui fonctionne avec une prise de force, ben voilà, il faudra mettre cette configuration-là. Après, vous avez voilà, une attache plus haute. Une attache plus haute avec la prise de force en dessous. Et le ball coupling. Hein. Donc voilà. Ce qu'on pouvait dire sur cette dolly. Donc après, c'est tout simple. Voilà. Vous prenez votre télescope ou votre chargeur, etc. Donc voilà, vous voyez, je l'ai sanglé. J'ai qu'à le descendre. Ah, il faut essayer, voilà, vous voyez, comme il y a des petites roulettes, pour bien que ce soit entre l'essieu, bien au milieu. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le descendre jusqu'en bas. Voilà. Ensuite, vous remontez dans votre tracteur. Et là, voilà, il vous demande de l'accrocher. Hop. Voilà. Donc là, je vais décrocher mon. Je décroche le télescope. Et voilà. Et là, je peux partir en vadrouille. Voilà, vous le chargez, etc. Après, c'est la même fonction que le smore, voilà, 3 points. Et voilà. Et vous faites la même chose, mais au lieu voilà, qu'il soit attaché au tracteur, et ben voilà, c'est sur une dolly.
Donc voilà, et puis après, bah, pour le détacher, bah, c'est pareil, hein, vous sélectionnez voilà, le dernier outil. Voilà, vous faites la croix et il se détache. Et après, bah, vous prenez votre télescope et vous le rechargez, vous le déposez ailleurs, et voilà. En espérant que ce mode vous plaira, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!